un si grand événement ça et qui réunit yo là et sous plateau radio Pimambouk. Et de ce fait, nous dit bonsoir, bonsoir tout amis auditeurs radio Pimambouk, bonsoir à tout amis qui déjà est présent là dans Miami. Nous saluons présence docteur Kado, nous saluons et présence et Berlin Michel. Nous saluons également Janine Aristide. Bonsoir à Jean Denis. Bonsoir à tous les amis Fort Lauderdale. Bonsoir Ancito Théophile. Bonsoir à tous les amis West Palm Beach. Bonsoir à tous les amis Vero Beach. Bonsoir à Boston, Canada. Bonsoir Brésil. Bonsoir Chili. Bonsoir à tout le staff. Evangel Church là, nous saluons Pristina, nous saluons sur la net Pierre et qui toujours a supporté nous. Et donc nous saluons également notre grand consulman, futur consulman nous, et qui est pour capable diriger notre Miami District 4 là, et c'est Claude Rivette. Nous saluons chaque monde qui toujours bail nous conseil pour que nous capable kimbe émission ça. Nous saluons la présence de Roscamène Théophile qui attend de nous Indiana. Nous saluons également Wendy François qui attend de nous Alabama. Nous saluons Bruce Mann qui est déjà bel et bien présent là. Nous saluons la famille. Donc nous sommes bien contents pour que nous soyons capables de partager le micro avec vous, Bruce Mann. Bonsoir, comment vous êtes? Bonsoir, bonsoir tout le monde qui est branché. Nous sommes bien contents que nous passions une super bonne semaine avec Gaz Bon Dieu. Nous sommes contents et nous disons à Jean-Baptiste Delé pour nous capables de gagner un docteur David et pasteur David qui est là sur le plateau. C'est Lively Stone Church of God qui c'est pasteur David qui visite nous à ce moment-là. Donc son plaisir, c'est une bénédiction tout. Donc on serviteur bon Dieu qui visite nous. Et nous tiens à remercier le France qui est toujours là pour assurer la manœuvre technique pour nous. Jean-Baptiste, son fort nous dit, et avec grâce, bon Dieu, tout va pas trop mal. Nous saluons tous les amis qui déjà branché, et quel que soit côté, parmi ou à côté de l'école La Via, il y a une émission qui finit pour venir remettre sous branle, pour une fois qu'on ait valeur et respect que nous devons gagner, quel que soit côté vivre, surtout nous-mêmes noirs. Et Peter Jean-Baptiste, son baguette, il a dit, et seulement nous gagnons à ce moment-là pour nous recevoir et sous plateau, et docteur David. Et nous saluons également Dr. Kado qui attend de nous là. Dr. Kado, c'est petit peuple là. Et je pense bientôt tout cas bien pour là. C'est ce Dr. David. Et je pense que c'est bien pour là. Nous saluons tout le monde net dans Live Stone Church of God. Faut que nous sommes côté que moi, aimer à l'adorer. Et nous sentons la présence de bon Dieu toujours là. Et nous aimons tout. Jean-Pasteur David délivre le message. Nous sentons ces paroles bon Dieu qui a parlé. Nous sommes bien contents durant ce moment là pour nous rencontrer en pile fanatique, surtout. Dans l'Evangel Church. So, nous avons rencontré un peu de monde, nous baillons à tout le monde parce que c'est ça nous fait. Nous ne pas seulement aider les micros, nous rencontrer les gens, nous aider les gens. Et nous sommes toujours là pour nous partager l'amour parce que c'est ça nous apprécier, c'est ça nous besoin. Et nous sommes contents pour un peu de monde qui débat feedback, qui parle comment on a mis l'émission, comment ça a payé. Donc, Peter Jean-Baptiste, déjà nous souhaitons tout le monde bonne écoute. Bon, Ousmane, tant qu'on dit là, à cela, c'est une grande joie, c'est un contentement pour nous, pour que nous soyons capables de recevoir une grande communauté haïtienne. Et donc, côté que il y a des gens qui a pensé, donc qui a travaillé dans le domaine de l'éducation également, ce n'est pas seulement pasteur, il a formé, monsieur a formé des cadres. Et nous sommes contents pour que nous soyons capables de recevoir Dr. Kado. Bonsoir, Dr. Kado, et comment est-ce? Je nous le docteur David Doiscam, actuellement, qui est docteur Kado. Merci, merci, puis mon bout, grand de Dieu qui l'a, et nous avons un grand concert qui était fait la semaine passée, grand chose qui était faite, et moi, je suis tellement content pour ça, bon Dieu, de faire un dernier temps, Kounia. Parce que il y a un temps qu'on a pour bon Dieu délivrer monde, pour aider monde dans toute phase de la vie, pas seulement spirituellement, éducationnellement, avec relation, dans toute phase. Et Jean yo dit bon Dieu fait grâce que mon travail dans l'université aussi sont gain chance pour ouais puissance pour Dieu dans plusieurs façons.
on connaît le docteur David et créole là vraiment attiré attention parce que en fait on son monde qui finit site depuis l'autre petit et c'est un bagage que nous t'a parlé dernièrement nous t'a parlé de importance la créole là et donc comment que parents ont supposé enseigner timoun yo parler créole et parce que me songe le m'a fait rentrer ici mais manqué perdu et visa que me t'ai et parce que gense des américains monsieur te campé tof pour aucun service là mais heureusement te gen yon haïtien là monsieur parle créole et monsieur te relé ma côté monsieur dit expliquer directement expliquer tout bagaille et comment ça y est et qui ça fait que je dis à vous présenter comme ça là et puis m'te expliqué monsieur clairement et puis monsieur dit mais ça pour me faire mais ça pour me faire puis me passer clair. Donc c'est parce que et monsieur t'ai parlé créole. Donc nous féliciter parents et docteur David qui enseigne lui parler créole et donc on pas connaît depuis à quel âge que rentré ici mal français grossi plus qu'on y a. Moi c'est un monde qui pas jamais ouais Haïti. C'est ici à moi fait. Beaucoup de gens mettent pied à Haïti net, so, même pays, beaucoup de gens voient. C'est la télévision seulement pour Haïti. C'est l'école là, il y a qu'il faut entendre parler de Haïti. Exactement. Mais c'est pas à moi qui yo toujours enseigné créole l'église là, en communauté haïtienne. So, c'est important. Et je dis au mon assemblée l'autre jour, il te dit. Qui j'en pour bien parler anglais, qui j'en pour bien comprendre. Moi, je dis, premièrement, il ne faut pas embarrasser pour faire erreur. Parce que même si je parle créole, 8 ans de ça, je me suis dit, oh, partir erreur, je fais, tout le monde a oui, moi, tout le monde a. Et il ne faut pas perdre mon vie pour faire erreur, continuer, juste en faire pratique là, pour que la langue la vienne pas. C'est un témoignage que nous avons sur l'émission que nous avons fait l'autre jour. Là, nous avons parlé de l'importance de la créole à gagner dans le milieu. Et à ce moment-là, nous sommes bien contents de témoignage du Dr. David Kado. Et qui là, bon, c'est Dr. Kado, tout le monde là, tout. Et là, il faut partager la même histoire. Parce que Dr. Kado, tout le monde qui bon, est fait ici. Et qui est très important, le haïtien fait ici. Et puis, il parle créole. Et c'est vraiment bien parce que vous pouvez partager l'idée avec frère ou haïtien. Parce que quand tout le monde, même là, vous faites ici, vous prétendez que vous êtes haïtien parce que vous connaissez ici. Mais ça vraiment fait nous plaisir que le docteur Kado connaît que c'est haïtien. Et il a fait un peu l'effort là tout pour aller à l'école là. Oui, Ousmane, vous avez comme tu as aimé connaître. Et pasteur, est-ce que vous prêchez en créole tout? Oui. Waouh! C'est beau. Donc, c'est comme ça, et docteur David lui. Li fait donc monsieur li apprend parler créole donc li pas fait Haïti li fait ici et puis li apprend et parler l'anglais ici aux États-Unis. Bousman on va quitter là pour capable parler ensemble avec docteur David et donc poser des petites questions comme c'est pour que li capable faire connaissance avec le public là parce que je dis à la l'important pour que nous capables connaître personnage ça yo donc yon moun k'ap travay nan éducation et nan ki université que ou a pensé docteur David pour dire mon cher administrateur nan université Kaplan University qu'on y a Purdue University fait acheter Kaplan University donc qu'on y a nou yele Purdue University Globe qui c'est non li qu'on y a mon cher administrateur là. So le management pour qu'on enseigne dans l'université c'est le management moi. Wow, ça fait plaisir les jeunes haïtiens qui dans milieu ça donc en plus le monde cap suivre sur internet là cap dit donc pas vraiment gain haïtien dans ces des postes ici et pourtant c'est pas vrai gain haïtien qui sénateur même t'as bien aimé prochainement vous n'y a docteur Kado nous avons un sénateur David non c'est pas sénateur David c'est docteur Kado c'est docteur Kado c'est moi docteur Kado il est même capable pour ça il est
Il y a un goût pour lui, mais c'est pas vrai. Il y a un goût pour prêcher les paroles. Oui, il y a un goût pour prêcher les paroles, mon Dieu. Il y a un goût pour aider mon éducation. Il y a un goût pour bailler l'idée. Qui ça pour étudier, qui ça. Il y a un gros domaine pour bagarre comme ça. Ça, c'est don, mon Dieu, bon moi. Et moi, je prends plaisir pour m'aider mon dans ça. Par rapport à l'émission qui a déroulé, Dr. David, et je ne sais pas, est-ce que tu as une chance d'entendre, nous avons parlé de manger haïtien, nous avons parlé de manger créole, et nous avons parlé de Haïti. Et je pense que c'est l'école là qui fait un peu haïtien, qui a une chance, qui a une opportunité de faire face avec les gens de manger ça. Est-ce que ce sont des gens qui sont à l'aise dans manger haïtien, ou bien étant donné que vous faites ici, et comment on sent-tu? Madame aussi, n'est pas jamais à Haïti. Mais si la fait on mange haïtien pour vous, je connais ça. So, si la fait on mange pour vous, vous pensez à Haïti le fait, l'école fait manger, même gens. Oui, il y a quelques petits bagailles, nous avons essayé de faire quelques changements parce que papa m'a dit sucre. Et un peu de fois, dans le manger haïtien, il y a un peu de jus, force poids, bagaille ça. Il n'est pas tellement bon pour manger trop dans le bagage, plus fait bagage. So, je me dis, pour des années, je suis bien, mais pour presque deux mois, je me crase d'être là. Parfois, je peux manger ici à net, pour des poids, pour retourner. Mais journée aujourd'hui a gagné un pile parent qui pas montré ti moun yo faire en yela kayla qui pas montré ti moun yo faire manger aujourd'hui a si c'est gagné ti moun et petit haïtien que et docteur David te ka rencontre avec la lité ka pour te ka remé mais il va t'ap arrêter parce que que la va pas dans l'hiver pas non seulement que la va pas dans l'hiver parent ou pas montré ti moun yo faire rien tout donc c'est un problème. C'est un problème qui posait Bruceman, là que si moun yo pa apprendre yo préparer manger haïtien yo et ti moun ça là que li pral gen chance rencontre avec un haïtien li ta envie vivre avec lui donc depuis pas nèg haïtien li kon manger haïtien li pa vle rete avec non exactement parce que culture là le ti moun n'a grandi pour partager ça aux connaissances ou gagner dans culture la kawavel c'est bien parce que important ça c'est pas côté ti moun en fait là mais c'est ki moun k'a grandi ti moun donc étant donné ti moun c'est haïtien et c'est tout à fait normal pour qu'il connaît qui ça qui Haïti pour qu'il connaît et qui genre de manger qui langue nous parler comment nous habiller qui rythme musical nous gagner et docteur David comme un pasteur et un musicien tout à la fois. Et docteur David, est-ce que jamais ou jamais essayer font s'étendre comme si musique créole yo qui est-ce qu'on apprend dans autour comment ça fonctionne pour vous là apprendre créole comment tu fais pour arriver à apprendre dans niveau créole moi là parce que moi commencer parce que jamais. Oui, toutes ces pratiques vous comprenez vous devez faire un bel point. Lorsqu'on parle faut préparer ti moun yo pour demain. En pile pas gain parents qui fait ti moun yo chita yo pas faire rien. Papa me pas comme ça. Papa était un monde qui était réellement strict, maman tout, il était poussé nous pour nous apprendre qui choisit. Et je dis, il n'est pas là, mais il y a quatre petits, deux pasteurs, trois petits, il y a un docteur à degré. À cause qu'il poussait nous, il poussait nous pour nous apprendre, il poussait nous pour nous apprendre qui choisit. Et aussi, toujours, il y a une bonne félicitation. Parents, madame, ouais, parce que je fais un bel travail tout. Parce que si vous avez un bel madame, je dis à vous, quand vous manger, c'est un bon principe haïtien dans la culture. Nous avons parlé avec nos amis l'autre jour, nous dit, on connaît la culture, on va changer. Quelqu'un du monde, c'est un voie haïtien, mieux même pour la ranger pour moi, pour manger ça, il fait. Et tellement à l'aise pour bagaille ou pas fait ou façon qu'on ait une culture que ça pas fait encore mais pour ben même c'est comme ça à l'aise parents madame ont fait un bel travail parce que malgré le fait ici ils ont fait toute bagaille. Mais je dis nous t'as parlé mardi dernier nous t'as parlé des questions et langue créole là et qui et conséquences langue créole là parce que et il y a un pile monde qui subit c'est parce que et vraiment parents ou pas
assumer responsabilité pour que yo capable assurer que ti moun yo parle créole là. Lèk que ou rive dans un store et ou jwenn ti moun nan se petit haïtien li yo. Mais li pa gen on ti étincelle créole là ka li comme si ou te ka entamer une conversation avec. Alors que créole là c'est on li servi comme une profession encore tout. Ba konnen est-ce que jwenn offre de ça et dans carrière pa comme yon moun ki parle créole comme si le wap enseigner yo ka di bon comme ou même ou parle créole ou capable communication capable plus facile pour ou même avec haïtien parce que yo besoin nous même haïtien qui dans communauté en pile et donc il y a besoin moun ki pou ta converser avec yo plus facile est-ce que pas jeune offre comme si qui pour faut prendre level qui plus rapide dans sens ça. Oui, je pense que c'est toujours un avantage dans le monde. Il y a ça bilingue, quand le monde a parlé plus que une langue. Ça veut dire ou plus, il a utilisé en plusieurs façons. Madame, moi, je suis un professeur, je enseigne dans l'école qui parle ici. Et ça qu'on fait, comme son ministère terminé, et l'école moi que moi travaille dans l'université a en plus d'étudiants sur adultes yo qui étudient yo qui travaille pendant yo à l'école ce qu'on y a c'est online y a en classe yo so c'est pas un pile monde qui dans Floride qui étudiant dans tout États-Unis so pour moi même pas besoin de parler créole avec étudiants yo parce que c'est adultes yo mais madame moi qu'on fait en plus face avec ça et dans carré moi te gagne plus façon les moi que créole la bénéficier ma pile dans plusieurs façons parce que l'on parle avec un monde dans langue li à l'aise et sous garde fois espagnol nous yo enseigne ti monde espagnol là yo parle pendant la bien et yo à l'aise là dedans et c'est une culture pour nous pas perdre. C'est un bagage que nous te dit l'autre jour dans l'émission que nous te gagne. L'homme t'a partagé ça avec camarade, on te dit que et c'est une raison qui fait yo plus respecter communauté espagnole là que nous parce que même yo gagne deux bagages yo fait non seulement yo cultiver le langage parwa, yo parle espagnol là n'importe côté yo rivé, yo fait accepter et deuxièmement, yo mette en place l'institution qui permettent que les frères yo vini pour yo jeune service sans pas besoin passer par américain. Parce que nous n'avons pas fait, nous non seulement pas parler créole dans le pays étranger, côté de vivre, et puis tout, nous pas encadré l'autre jeune haïtien pareil nous pour demain, les gens qui viennent pour qu'on ait telle institution depuis que je parle de la donne de service. Parce que actuellement, là, même si on cubain pas jamais parle anglais, la travail, s'il besoin de l'hôpital, la aller, s'il besoin de l'école, la aller, quel que soit ça le besoin de faire, qu'à faire. Mais qui est différent de nous-mêmes haïtiens, quel que soit son besoin de faire, là, ou obligé par l'anglais. Parce que langue pour là, il faut que j'aime vraiment établir ce terrain là. Mais on connaît bon Dieu, c'est ça, dans ces dimanches, toutes choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu. Donc, quelquefois, bon Dieu, qu'on servit avec un bagage qui est négatif, et il fait venir un bon bagage. Moi, je pense que ça, c'est un bagage qui bénéficie à Haïtien, qui n'importe là où on a ici, ils comptent parler anglais. C'est bien. Ou comment, so haïtien, lui mettait là pour 4 mois, 5 mois, la dégager. So, pour ça, parce que oui, y a pas, il y a quelques monde qui dit ça, parce que c'est raciste, il y a quelques monde qui dit plusieurs bagages, mais n'importe comment, yo mettez nous n'importe côté nous va agir n'a fait en façon pour nous communiquer pour nous faire travail là mais yo même faut yo bâtir bagage ça yo sommes d'accord mon ouais que nous faut nous bâtir à qui choix pour aider haïtien qui est venu mais pas veut nous perdre dans ça qui fait nous capable bilingue qui capable faire nous capable parler anglais et créole et français et espagnol et bagage ça. Bagage ça sont un bénéfice pour nous parce que nous capable parler plusieurs langues et c'est un bon bagage. C'est même Jean le m'a dit tout monde qui fait ici même Jean avec moi m'a dit yo li bon pour yo apprendre créole. C'est pas parce que li c'est langage oui ou fait ici mais là apprendre parler deux langues li plus bon que une seule langue. Oui, tout à fait. C'est même Jean là yo même seulement yo seulement capable parler espagnol, pas quelque bénéfice yo seulement dans petit sac ça.
dans sud Floride, mais depuis yo quitté yo al dans Tampa, yo aller n'importe l'autre côté, yo des problèmes. Non, nous toujours voulons conseiller jeunesse là et surtout monde qui vivent en Haïti, nous toujours conseiller ça. Je vous dis au lieu qu'on paquet de bagages pas prendre qui pas utile moi hein et préférer apprendre langue parce que moi tant qu'actuellement là moi m'a gomme pour bon 6e langue parce que je parle 5 langues et m'a gomme et c'est moi qui bénéficie ça gagner l'on monde qui fait échange d'idées dans quelque soit langue qui gagne et même mon projet faut me parler au moins 12 langues parce que moi qui bénéficie ça gagner tant que moi même avec camarade Peter Jean Baptiste on fait émission ça là par exemple mais si on t'a venir inviter nous non chaîne télévision par exemple on a fait interview et puis c'est espagnol le parler ou bien anglais ou parler mais faut que nous avons au moins au minimum capacité pour nous présenter nous et si on n'a pas les rencontrer docteur David Peter Jean-Baptiste qui pas fait Haïti et puis qui parle au niveau col qui a accès à prêcher parole bon Dieu en créole c'est belle bagarre parce que anglais docteur et même là on parle anglais mon nous comprendre mais qu'on bagarre envie dit ou envie mettre accent sur lui étant donné ça avec haïtien on parler mais laisse en créole dit bagarre là comme si bagarre message a bien dégagé et bien délivré mais docteur non mais avant Peter de continuer à voir si tu as un conseil ou tu as un potier à tous les parents haïtiens qui vivent aux États-Unis, Canada, France, sur le côté, qui conseille ou tu as un bio et pour que tu prennes l'autre direction avec Timon, dans la question de parler l'anglais, dans la question culture haïtienne, et façon d'habiller, façon de parler, façon de collaborer avec l'autre, façon de nous partager l'amour. Et qui s'est appuyé sur ta main pour ton conseil pour nous avoir? Il y a un bagage qui m'a commencé avec ça, qui est moué. Notre culture nous qui bien et de après ça m'a dit gien quelque côté qui ca fait un petit improvement yon baga ke mwen men nan culture haïtien ou gien en pile détermination so là m'te al collège le mieux contre un haïtien qui sont Haïti qui vient dans collège là moi était tellement content parce que moi yon haïtien la travail deux jobs la prend classe pour finir degré ou bon détermination ça moi aimer l'autre bagage que vraiment dans culture haïtien et me dit génération pas moi ça moi dit pas nous conseiller corps ou capable travailler un petit job hôtel pour $8 l'heure pas quoi il va acheter caille ou gain $4,000 dans banque ou gain ceci cela et monde qui fait gros corps pas gagner tu comprends parce que d'a dépenser corps non paquet bagage qui pas utile. Donc so, ça c'est un bagage qui m'apprécie dans la culture nous, qui numéro un, nous travaillons dur, numéro deux, nous conseillons comme, mais pour génération, pas moi, pour petit, il y a un bagage qui manquait en pile fois, même dans les haïtiens qui ont un pile succès. En pile fois, dans la bataille pour avoir un succès, il y a travaillé deux jobs, trois jobs. Pour lever tout le monde, il faut un temps. Parce que si ce n'est pas vous-même qui levez, culture va lever et il va mettre un autre bagage culture haïtien les différents avec culture qui là dans États-Unis pour exemple les m'attendre histoire haïtien qui Haïti du monde qui pas fait bien l'école c'est comme un embarrassement en Haïti mais ici là pas fait bien l'école c'est applaudissement ou joie. Et ça c'est un bagage étrange. Comment? Mais ici, culture dans quartier noyau, dans culture côté pauvre, là on pas fait bien, c'est laisse aux gens l'attention. So moun fauché ti moun qui fait bien et ici dans Haïti, yo fauché ti moun qui pas fait bien. So culture a différent. So ou ka pense ou venir ici, ou seulement ou voyez ti moun à l'école, ou pense that's it. Ou voyez l'école, ou payez bill, ou faites tout bagage ça yo, là fait bien. Non, c'est pas ça. Faut capable prendre temps avec Timounou pour enseigner l'importance éducation, pour enseigner l'importance pour faire bagage ça yo qui notre culture que vous voulez le faire. Parce que si vous pas fait ça, what ou que culture qui gagne ici, la dominer Timounou là et what ou que tout ça on fait, what ou Timounou là vient jouer dans l'autre angle, il pas aller dans même façon. Que ou même ou t'es allé et ou travaille dit pour rien parce que ou vinn faire deux jambes ou vinn faire tout bagage ça yo ou ta aimé ou ti moun la al pi loin passé ou mais li pa fèl pour qui ça parce que ou pas content pour instruire ti moun la pour enseigner li pour déposer dans la ville
importance principe que ou même ou remet. Bien, et docteur David relate un point qui est vraiment important et dans la question influence culture américaine sous et nous même haïtiens, parce que le regard de yon haïtien dans les années passées, tant qu'on connaît une histoire, yon petit machin qui avec un corosol qui fait une famille vin grand. Donc avec corosol là, li vend corosol là, li achete toile, la vend tiré taille bazao, et puis li commence vendre, li vin acheter rad, li vend rad, konye la, li vin faire cob, li faire un petit li parti. Konye la petite la voue chercher. Ça qui important, mais c'est ouais avec qui ça moun sa te commencé avec un corosol. Mais jodi a combien haïtien là qui vini aux États-Unis, yon parent qui t'a en goumé comme ça pour lui faire arriver ici, l'a servi avec 10 000, 15 20 000, 30 000 dollars et puis li pa ka créer un rien pour lui capable vivre comme si pour capable faire une économie. Donc ça c'est culture américaine qui influence. Nous quoi dans luxe tant que black américain quoi dans luxe, il pas besoin que il voulait une machine 2018, il dormit là dans, il pas besoin qu'on ne peut pas dormir. Exactement. mais dans culture haïtienne, dans tout le monde qu'on en Haïti, on mettre riche des pour pas gagner c'est malheureux en Haïti. Exactement. Et on va venir en Haïti, tout le monde dans les hôtels les grands dons en Haïti. C'est monde qui fait toute fortune avec un bœuf par exemple, un poule. Yes. C'est nous te gon esprit de commerce, nous te gon esprit pour nous créer bagaille. Mais actuellement là non seulement bon idée, on fait l'argent. Mais l'argent qui sont pour le faire l'argent. Et si on a une raison qui permet que à cause nous une l'argent trop importance et nous vienne perdre du valeur. C'est l'argent qui a une valeur pour nous mais nous même nous perd du valeur. Mais longtemps là c'est l'amour que tu as prégné parce que pendant deux fois nous relaté pour ça. Longtemps et docteur David étant donné nous même pas fait d'Haïti. Moun Haïti pas de quoi dans l'argent et c'est ça qui te permet que yon dollar te évalué à un goud l'argent haïtien et je dis à faut qu'on 60 goud ou plus l'autre fois te 70 goud pour gagner un dollar et qui ça te arrivé longtemps moun yo te quoi dans bagay qui les combite moun yo te quoi les a fait jardin yo né de l'autre yo partager ça au gain les a fait récolte là encore tout monde partager à tout monde qui pas gagner. Donc laisse à tout le monde grandir, tout le monde manger, tout le monde bien, tout le monde a fonctionné. Mais quand il y a là où vient c'est l'argent qui a dirigé, pas gagné l'amour encore. Et quand on peut pas venir même si on a gagné un million, il n'est pas nu pour la paison l'autre qui peut gagner un dollar. Et ça permet que le pays nous actuellement là, a subi une crise, côté nous gagnons près de 4 milliards de dollars, donc 4 billion dollars. Mais il a gaspillé moins de 20 monde gaspillé pendant que nous avons un peuple qui pas grand monde qui gagne un peu mal et pas gagné revenu de 1 dollar par mois. Yeah. Et c'est un bagage avec Pep. Pep nous est réellement intelligent, nous réellement gagne en pile détermination. Les haïtiens veulent faire un bagage, moi haïtien fait en pile grand chose individuellement parlant, mais collectivement ensemble pour yo faire pour yo mettre ensemble, mettre tête ensemble. Haïtien voient réellement mettre tête ensemble et c'est ça qui fait pour moi même chaque monde veut chef, tout le monde veut diriger, tout le monde veut diriger et ça vient faire comme pour you know chaque monde qui monte tout le monde travaille pour descendre. Songez par exemple quand on dit Jean yo agir c'est comme pour un paquet de crabe. Ou mettez dans un bouquet, ou pas besoin de mettre tête sur lui. Pas qu'il y a un crabe qui va le sortir. Parce que depuis qu'il monte, il va aller descendre. Ils ont tout payé ensemble. Ils ont tout mouru ensemble. C'est vraiment belle. Docteur David, on est gros proverbe. Et si on a un bagage qui est tellement fort, je ne sais pas si c'est Davis Payne qui est pour nous. Parce que Davis Payne, ça nous fait pour nous avancer déjà. C'est l'union. L'union fait la force. Mais Haïti seulement nous utilisons ça. Chaque 18 mai, avec chaque lion étranger humilié peut pas ici. C'est seul là ça nous utiliser. Tant qu'on dit je mets là pour aller pour Haïti à tout côté à flotter. Mais pour 15 20 haïtiens entrepreneurs quel que soit ça ouais mettre tête ensemble pour faire bagarre pour dire on crée un bagarre impossible.
Et on va venir voir si Haïti fait partie d'un pays. On va venir voir 68 candidats pour président, 80 monde candidats pour président. Et c'est un bagage que tu penses, me dit qui gens pour nous changer culture. Ou dit est-ce que monde capable aider un autre monde pour gagner succès? Parce que chaque monde pour garder pour président trois candidats. Presque 100 monde candidat pour un pays seulement qui a moins que 11 millions de monde qui vivent là-dedans. Qui pas même une quantité de monde dans une grosse ville. Par exemple, São Paulo, et comme une grosse ville Brésil, qui a plus de 12 millions de monde qui vivent là-dedans. Qui ont ville. Et ça veut dire que ça, si Haïti était réellement consenti, question de l'Union fait la force, nous, Haïti est un pays qui a développé dans moins de 10 ans. D'ailleurs, nous avons des ressources, nous avons des moyens pour ça, et nous avons des capacités, donc nous avons des intelligences. Nous seulement pas entendre nous pour nous faire ça. Je parle avec un ami moi dans l'université, ou haïtien par exemple, je pense le fait ici tout. Et il y a un bagage, un charité pour aider Haïti. Je m'a dit non parce que je ne vais pas mettre un problème. Mais il m'a envoyé un pile bagage à Haïti. Il y a presque 2000 personnes manger, 3000 personnes manger. Et il dit, pour le capable de faire bien ça, combien de monde dans la position qui dit qu'il faut toucher avant? Et les gens qui ont travaillé, les gens qui ont bien. Ils ont une famille, toi, Haïti. Ils ont une famille, Haïti. Ils ont fonctionné. Et les gens qui ne peuvent pas manger. Et ils disent, et monsieur, il n'y a pas Haïti. Il n'y a pas de business à Haïti. C'est Kelly qui well, dit par un mot haïtien, je ne veux pas que les gens souffrent. So, ils veulent faire bien. Mais je dis non, il faut bon combien de $1000 avant pour payer moins avant bien ça qui est mangé, capable de vivre le peuple là. So, c'est parce que c'est une culture qui n'est pas appréciée, les gens qui commencent bas. Ça sont l'autre gros problème que nous avons. Non pas après c'est monde qui fait commencer et c'est même genre après l'école là qui vient avec un projet qui vient avec un projet pour que gagnion certaines de prise de conscience qui prend dans la diaspora parce que le développement pays d'Haïti qu'on y a là lui constitue le 85% de diaspora là. Parce que tout espoir, tout le monde en Haïti, quel que soit côté où on vit là, c'est diaspora qui aime le pays. Parce que réellement, ça qui apprend dans le pays, n'est pas fonctionnel avec le pays. Parce que ça, c'est un bagage qui allait directement dans la poche d'un groupe de monde. Et c'est une raison qui fait nous-mêmes, nous avons constaté ce problème. Nous avons souffrance pour nous pas bon ici, souffrance pour nous qui est au Canada, souffrance pour nous qui est en France, souffrance pour nous qui est au Brésil, Chili, humiliation que nous-mêmes nous apprenons comme noirs, humiliation que nous-mêmes nous apprenons comme haïtiens. Nous disons que nous venons avec une autre forme d'émission pour que nous conscientiser mon yo, nous sensibiliser pour nous dire non, on nous prend l'autre chemin, on nous yon aide l'autre, on nous yon partage l'amour avec l'autre, on nous unit nous pour nous faire ça pour nous sauver le pays. Parce que sauver le pays, c'est sauver l'image nous tout. Parce que Dr. David, il y a un bagage que nous concevons, quel que soit tout haïtien qui avait visité, riche, il n'y a jamais de respect parce que la caille est sale. Parce que faut que la caille est propre, l'ordre dans la rue, il n'y a pas de respect. Donc c'est une raison que nous-mêmes nous disons, ok, nous venons avec un autre bagage. Donc, nous avons que vous introduit à public là encore et pour que vous commencez à participer à l'émission. Et parce que nous avons invité à ce soir pour dire ça. C'est Dr. David et Pasteur David, tout homme de Dieu, qui est venu pour partager avec nous micro à ce soir-là et qui a un paquet de belles illustrations et de génie. Parce que je ne suis pas fait Haïti, mais vraiment, principe et coutume, c'est tout à fait. Et on bagaille normal pour nous. Nous saisir ça. Et j'en vais vous dire, nous saisir ça. Oui. So, l'église nous, c'est Lively Stone Church of Miami, comme Hostio Fetti, nom c'est Dr. David Oiska. Nous avons un service dimanche matin, vers 11h30. L'église là, dans 425 Northwest Miami Court. Nous sommes une église qui croit en amour, qui croit en famille. So, chaque monde qui vient, ou vient avec deux bois ouverts. Et nous essayons, ouais, ça nous capable de faire. Pour aider ou aider Timon nous parce que nous comprenons qui Jean Bagala difficile ici pour travailler dur quelquefois il est difficile pour lever Timon nous en façon pour aider ou unfortunately il y a quelques églises qui au lieu pour aider jeunesse c'est d'ailleurs ils mettent jeunesse
Et qu'on y a jeunesse là pas un côté pour aller. Et si petit yo yon la ya yo pas sauvé, il a fait baga qui pas bon, ou pas gagne rien pour jouir le dans salut ou là qu'on est que petit ou pas jouir dans même salut. So nous sommes l'église qui connaît la famille, pas seulement la recevoir avec deux bois ouverts, mais la aider avec Timon Yoto. Merci docteur Kado, docteur David. Donc il y a un auditeur là qui voulait participer, n'a pas. Oui, allô, bonsoir, bienvenue dans l'école La Via. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Donc ça semble qu'il y a un petit problème, nous pas qu'attendre. N'a pas dû appeler et puis on va continuer. Donc nous allons observer une pause et puis on va retourner. En attendant, nous allons commencer à relayer pendant que nous allons observer la pause là et pour que nous allons participer dans l'émission à soir. C'est l'émission L'École La Via qui dans l'air, donc tout le monde fanatique L'École La Via, nous capable commencer relais dans 305-677-2073 et pour que nous capable intervenir dans l'émission. Nous t'a parlé sur question culture haïtienne, comment que nous capable influencer l'autre nation à rentrer dans culture et faire respecter nous comme haïtien, parce que c'est ça que nous supposé identifier nous. Et relez-nous dans 305-677-2073. Et puis nous gain avec nous invité docteur David et pasteur tout qui là. Donc nous gain auditeur souriant la point. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir, bienvenue dans l'école La Via. Allô? Donc, on a demandé pour et Régie capable de faire une intervention dans la question souvent. Et donc, il y a un petit problème technique là. Et on a demandé pour que nous ne négligions pas relais et participer dans l'émission à Souya. Et donc, le numéro c'est 305-677-2073. Et ou même qui besoin en fait pour te conseiller à nous-mêmes, nous faire pour que nous capables de faire ça. Et numéro de téléphone, nous c'est 786-366-96-73. 786-366-96-73. Et Brusman, il faut que nous capables de faire communauté haïtienne. Donc on est que et très prochainement, il y a bien pour supporter M. Claude Rivet. Dans l'élection de 1917, dans le district 4 là, donc son décision dans ces populations font déjà. Nous avons dit après ça, on va parler de ça rapide. Oui, allô, bonsoir, bienvenue dans l'école La Via. Allô, bonsoir. Allô? Donc,
le front, jette-nous même là, pour qu'on soit capable de fixer ça pour nous là, pour que l'auditeur soit capable d'intervenir. Auditeurs ont besoin de participer dans le show là. Donc nous tiens à ce que je dis à et chacun a ici capable de prendre conscience et pour que nous capable en fait de faire moyen pour que nous capable d'avoir l'autre image de culture et de culture comment c'est la façon que nous habiller la façon que nous et projeter image nous c'est comme ça que a découvert que nous c'est haïtien et moi même depuis me parler ensemble avec monsieur dans travail là dit nèg yo ça ka fait nèg yo pa parler créole mais depuis me dire ça ka fait li pou mande m ki ça ça veut dire ki ça pou le répondre et jodi a si me dit et coureur que moi là John ça ka fait et monsieur pa dit n'a bolé donc nous supposons influencer dans créole là pour que yo capable intervenir et dans culture nou pour que yo capable rentrer et je dis à Simdi Josh, ça qu'a fait, les monsieur pas dit n'a bolé. C'est comme ça, dans façon que nous habillé, longtemps mon yoté qu'on habillé et de manière décent, mais avec influence de télévision et un peu petit monde qui vient ici et puis yo influencé par culture américaine là et yo mette pantalon sous derrière yo et on pourrait c'est de courade qui peut se valer c'est ça que il y a projeté donc mon yo censé image projeté comme si yo plus américain que moun qui fait dans milieu a que moun et tout parents ancêtres c'est américain que tu as transmis de génération en génération donc c'est ça que fait jodi a ça vraiment attirer attention nous le fait que nous recevoir et docteur David c'est un qui fait ici aux États-Unis donc il était capable venir là avec un gros pantalon sous lui là un gros maillot mais monsieur venu très simple veste les sous lui donc monsieur vraiment en dans culture noire et je dis à nous supposer vendre culture haïtienne partout que côté nous passer pour que nous capable faire touristes entrer dans culture faire touristes venir visiter Haïti parce que nous avons un très bel pays et nous supposer faire ça. Donc Bousman Fomzo je dis à c'est une fierté pour nous pour que nous capable recevoir docteur Kabe et nous avons supposé en fait et commencer faire contact ensemble avec monsieur Claude et puisque monsieur déjà fait il y a un monde sous lui là. Oui allô bonsoir. Allô bonsoir.
Allô, bonsoir, bienvenue à l'école La Via. Bon, je dis à vraiment un problème technique là. Nous pas qu'à est vraiment déterminé. N'a demandé pour que l'auditeur soit capable pour une patience et parce que en fait nous vraiment contents pour que donc nous pour regarder dans culture africaine dans comment que africain yo tellement vente culture ou après toute nation y a pensé mettre rad africain y a pensé accoutumé yo à africain parce que africain vend yon belle image et le regard rad africain c'est pas parce qu'elle est trop belle parce que ça c'est pas parce que comme si rad africain ni il y a un bagage qui est extra là-dedans. Mais c'est la façon que moun yo vend ça. Donc, moun yo mette rad là, yo pas tellement mette rad étranger. Parce que yo tient à ce pour que yo capable de vendre que tu parles. Bousman, font-ils parler ensemble avec la justice? Nous voulons également excuser auprès de tout le monde qui a fait une promotion en ration là. Il y a un petit problème technique qui posait, c'est que l'homme qui est arrivé, il n'a pas attendu, peut-être que l'auditeur attendait, mais nous-mêmes, nous n'avons pas attendu. Et nous voulons également excuser nous pour ça, à ce moment-là. Mais nous pensons que, mardi, si Dieu veut, tout bagarre en forme. Et nous voulons également remercier M. Claude Rivetto, qui accompagne l'émission, qui supporte l'émission, c'est Conseil du district 4 là, notre ami. M. Claude Rivetto, merci beaucoup. Et le fond, qui toujours accompagner nous. Et nous voulons dire tout le monde à ce moment-là. Et après, nous avons fini Dr. David et Pasteur David qui était là avec nous. Et nous pensons que tout le monde va commencer à comprendre. Et l'heure que nous avons parlé, pour que tout le monde prenne conscience de culture. Parce que si on a mal à Haïti bien, il y a un monde qui n'est pas fait à Haïti, qui a plus de 20 ans avec notre pays, et qui a consommé, et qui nous pensons faire succès. Succès qui équivaut avec n'importe qui qui est en Haïti. Moi, c'est son bagage pour tout parent haïtien qui continue de faire. Et le fait que on baille tête aux missions pour enseigner petit tout, la créole là, enseigner petit tout, et comment pour apprendre coup de manger, comment pour apprendre repasser, parce que ça, c'est bonne mesure. Parce que là, on a un petit monde qui compte repasser bien, un petit monde qui compte faire manger très bien. Je pense que ça, c'est tout à fait normal. Et je pense que c'est un pas qui vous montre au petit tour et ou assurer sur lui que demain, il n'y a pas de problème à ce monde. Parce que j'en ai toujours dit, nous toujours aimé mettre des petits démons là, nous dit que la vie n'est pas dure. Parce que je dis un petit tour qu'avant, ou à jouer avec Timon, ou à parler avec Timon, on sent tout content lorsqu'un Timon et qui parle seulement anglais, comme ça tout bien, mais qui content lorsqu'un Timon tout, à ou dit Timon, pas qu'on fait manger parce que c'est fast food bien, mais par contre, pas qu'on ait demain si Dieu veut, ou qu'à malade, ou qu'à pas bien, ou qu'à quelque soit problème, ou qu'à vivre dans une situation tout, faut qu'on déplace à l'autre côté. Et c'est pas tant pour Haïti ou qu'à jouer nos voisins, nos voisines, nos tontons, nos tantes, et qui pour gérer Timon pour le sa Timon pour en difficulté. Parce que dépend de côté Timon tombe bien. La besoin d'un support, la besoin support et moun côté lien. Dans qui sens? Parce que dépend moun nan, si son moun qui consomme et tant que manger haïtien seulement, si moun sa pas venir, si moun sa qui a plus de difficultés pour capable adapter. Et c'est une raison qui fait retourner ça encore. Tout le monde encourager à montrer si moun yo parle langue là. Parce que Haïti c'est pays nous. Et culture nous, c'est fierté nous. C'est ça qui est important. Parce que ce n'est pas l'argent pour avoir respect dans le pays. Mondial. Ou pas une quantité d'argent pour avoir respect. Parce que l'argent pas de respect. L'argent, il faut avoir des choses qui pour montrer qui des choses qui ont valeur, mais qui peut montrer mon âge, mon c'est ça qui respect. Mais réellement, respect, c'est l'amour. C'est l'amour qui respect. C'est l'amour qui garde, qui dit que mon sali est étonné. Ce n'est pas ça que je dois attendre et c'est ça le fait. Parce que même Jean Jodi en Cuba, en l'aile, les États-Unis, sont confortables. C'est comme si c'était la Cali, il fait salvé, il est à l'aise, il parle l'anglais, il mange la Cali. Parce que c'est même Jean, tout le monde, même haïtien. On suppose comment c'est fait même bagarre.
chinois a fait et puis ou vient a fait si ça nous pas fait nous venons ici nous jeter manger nous jeter tout bagaille. Alors bonsoir, bienvenue dans l'école La Via. Nous jeter tout bagaille. Bienvenue dans l'école La Via. Oui, c'est qui compte à côté de la radio? Ok. Et c'est comment on concevoir Echoa et ce qui conseille au capoté pour l'école La Via? Parce que nous-mêmes, nous venons avec un autre bagaille. Nous venons avec un autre bagaille. Et c'est qui sont à souhaiter? Ok. Oui, pour nous continuer, et Jean-Baptiste Poutelli, nous ne connaissons pas si bien quelques rajouts. Ok, nous va connaître si bien quelques rajouts que vous voulez faire, Jean-Baptiste Poutelli, avec l'auditoire là, sur question de culture que nous avons parlé. Et nous voulons l'autre fois encore saluer M. Claude Rivette. Claude Rivette, c'est Pigo supporter émission 1. Nous saluons le Friends encore l'autre fois encore. Claude Rivette, c'est candidat pour poste conseiller même dans le district 4 ans, donc Miami. Ok. Mon yo ka continue rele, nous avons un petit temps devant nous pour que vous participez dans le show. Nous avons 5 minutes encore pour nous participer. Il fait 9h55 minutes sous la jambe de la radio Pimambo, la 1360 AM, radio qui est populaire dans les États-Unis, radio 100% haïtien. Pimambo, quoi l'autre chéri? Oui, allô, bonsoir, bienvenue dans l'école La Via. Allô, bonsoir. Ok. Pour assurer, il faut qu'on dise. C'est ça que nous sommes son mari, son tout. Donc on n'a pas besoin de disposition. Mais tout le monde est au bas de la fin. Côté quoi? Vous mettez pas au bas de la fin? Non, ça a l'air comme ça. Non, ça va. C'est difficile. C'est ça, ça a été son. Thank you.
Et une fois encore, nous disons merci à tout le monde qui était branché l'émission L'École La Via, qui présentait chaque mardi 9h-10h par Peter et Jean-Baptiste et Bruce Joseph. Nous tiens à remercier le secrétaire de l'école là, qui est Béli Michel, c'est Macron. Nous saluons Mami, nous saluons Johanna Moïse, nous saluons tous les amis qui étaient branchés depuis Facebook, Saint-Aubus, nous saluons M. Germain Robert, nous saluons Johan Nazar, nous saluons Rosita, nous saluons Waldeck Tanaz, qui a regardé Titaman, Mireille Volman, nous saluons tous les amis Facebook. Et on va faire encore. Merci tout le monde et bonne nuit avec bon Dieu. À mardi prochain.